بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré «» c'est-à-dire « Et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah ». C'est-à-dire « Et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu ». Donc on met l'intention, incha'Allah, d'appliquer cette aya honorée, de s'entraider dans la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait en cela une bonne intention, par application de la parole du prophète, C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Il dit quoi que le jeune de mandane, il a été rendu obligatoire quand Durant le mois de charban mais la deuxième année de l'égir, d'accord Et Dieu l'a rend obligatoire avant le début de Ramadan pour que les musulmans apprennent les lois du jeûne avant de jeûner. Donc là également, on fait le cours du jeûne pendant le mois de charban avant Ramadan, comme ça on a révisé, Inch'Allah, toutes les lois du jeûne avant de commencer le jeûne. Donc celui qui veut faire un adoration c'est obligatoire qu'il apprenne comment on fait cet acte avant de le faire. Donc, comme Dieu l'a dit, Wallah taqafu ma alayhi salakabi haiim inna samra wa al-bansara wa al Adieu, ne t'engage pas dans ce qu'on ne connais pas. Certes, Louis l'a vu et le cœur, surtout ceux sur la personne, elle sera interrogée. Donc, on continue, Inch'Allah, dans la suite du livre. Wallah yasehu. Donc, c'est pas valable de jeûner de la part euh, d'une femme qu'elle est menstrues et les louchis. Donc là, c'est pas valable, et en plus, c'est pas aussi permis. D'accord? C'est interdit que la femme jeûne alors que le sang des monstrues ou le sang des lochis coule. Donc le sang des monstrues, c'est un sang qui sort de manière habituelle de, du vagin de la femme lorsqu'elle est en bonne santé et il sort euh, au minimum euh, environ 9 oui. ans environ. C'est-à-dire que la femme avant cet âge-là, elle n'a pas de sang de monstrues. Mais dans certains pays, elles ont les menstrues tôt comme vers 9 ans certains pays chaud. Et euh, ça, c'est le sang des menstrues. Son minimum est de 24 heures, son maximum est de 15 jours. Et il a des couleurs euh, propres à lui. Il peut être rouge foncé. À la base, en général, il est rouge foncé. Presque rouge bordeaux. Et il peut être rouge, rouge vif, rouge clair, rose, jaune, orange, marron. Tout ça, c'est parmi le sang des monstres, les couleurs du sang des menstrues. Les savons, en détail sur cela. Et ça, on l'apprend dans le chapitre des menstrues. Que les sœurs doivent apprendre également et le sang des lochis c'est le sang qui sort habituellement suite à l'accouchement parce que quand la femme elle est enceinte ses monstrues s'accumulent dans son utérus et le, le, le fait qu'elle a le bébé dans le ventre ça l'empêche les monstrues de sortir en général des fois ça sort mais des fois ça ne sort pas et en général quand elle accouche après elle a du sang qui coule pendant au maximum 60 jours il y a une idée, comme des monstrues quoi et ça on appelle ça le sang des lochis donc euh, quand ce sang là il coule que ce sont les monstrues ou les lochis c'est haram pour la femme, c'est interdit qu'elle jeûne. Également, c'est pas valable de sa part qu'elle jeûne. En général, le mois, elle est pas dépourvue de un Maximum deux semaines de menstrues dans un mois, soit deux semaines en continu soit deux semaines en, en discontinu, mais dans une période totale accumulée de quinze jours. Il en est dans une tranche de quinze jours et que ça s'est accumulé en accumulant les heures sans dépasser le quinzième jour depuis le début de l'apparition. Du sang, et ça on a déjà parlé un peu des menstrues quand on avait vu le cours sur la purification. C'est-à-dire que tant que le sang descend de la femme qu'elle est menstruée ou des louchis, c'est interdit qu'elle jeûne et pas valable qu'elle jeûne. En revanche, si le sang a arrêté de couler, là dans ce cas-là, elle a le droit de jeûner. Par exemple, si une femme, son sang a arrêté de couler la nuit et du coup elle a, elle a mis l'intention la nuit de jeûner demain pour ramadan, son jeûne est valable même si elle n'a pas encore fait le rousseau. Ce n'est pas un, une obligation qu'elle fasse le roussoul avant de mettre l'intention de jeûner, parce que le jeûne ne nécessite pas d'être en état de pureté rituelle. Celui ouais. qui est jeûneux, il peut jeûner aussi. Mais celle qui est monstrueuse, elle ont jugement spécifique, tout comme c'est rapporté dans le Bukhali et le muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Alaysa al mar'atu, idha la tu salli wa lam tasum »« Alaysa idha al mar'atu, lam tu wa lam tasum » Comme on a vu dans les cours de la purification, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle est menstrue, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Sauf que la différence entre la prière et le jeûne, elle ne devra pas rattraper les prières qu'elle a manquées à cause du jeûne. En revanche, les jours de jeûne devra le rattraper, parce que les prières ça se répète tous les jours, alors que le jeûne ça se répète pas. Ce serait trop dur pour elle de rattraper les prières à chaque fois. Donc ça, la différence entre les deux. Les deux n'ont pas le droit de prier ni de jeûner, mais le jeûne elle doit rattraper, alors que la prière elle n'aura pas. À rattraper. Cependant, c'est un devoir qu'elle fasse bien sûr la grande ablution, le roussoul, pour faire la prière, mais pas pour que le jeûne soit valable. Alors bien sûr, si une femme, ses monstrueuses sont arrêtés en plein milieu de la journée, elle peut pas mal l'intention de jeûner la même journée, parce que le jeûne c'est depuis l'aube jusqu'au le coucher du soleil, et euh, il faut qu'elle mette l'intention la nuit, la veille, d'accord, la veille au soir. Donc là, on parle bien sûr d'une femme, par exemple, ses monstrueuses sont arrêtés en plein milieu de la nuit. Et elle durant la nuit, elle a l'intention de jeûner pour le lendemain avant de faire le roussoul, ça c'est valable. Mais si c'est en plein milieu de la journée, c'est pas valable de, je de jeûner des demi-journées. Ça, ça compte pas comme un jeûne islamique. Hein. Donc si c'est monstrueux, ça va être en plein milieu de la journée. Euh, malgré ça, elle va pas jeûner ce qui reste de la journée. D'accord Et quand on dit que c'est haram que la femme qu'elle est monstrueuse, elle jeûne, ça veut pas dire que c'est haram qu'elle ne mange pas. Ce qui est interdit, c'est qu'elle mette l'intention de jeûner, de faire le jeûne euh, islamique. Mais si la femme, par exemple, parce qu'elle a pas envie d'être la seule à manger chez elle, parce que toute sa famille jeune, son mari, ses enfants, tout ça, elle décide de pas manger de la journée pour après manger avec son mari le soir et sa famille, mais sans mettre l'intention de jeûner, c'est permis pour la femme car elle est monstrueuse. Ce qui est interdit, c'est qu'elle mette l'intention de faire l'acte d'adoration de jeûner. Mais si elle s'abstient de manger ou elle mange un tout petit peu juste pour avoir faim après le soir pour manger avec sa famille, là, c'est pas interdit. Ça compte pas comme un vrai jeûne. C'est ça que ça, c'est pas interdit. Ce qu'elle interdit, c'est qu'elle mette l'intention de faire le jeûne obligatoire de la alors qu'elle a le sang des monstrues qui coule. Mais néanmoins, la femme qui a les monstrues et les doit rattraper les jours de jeûne qui n'ont pas jeûné pendant la Donc elle note. D'accord, les jours de jeûne qu'elles n'ont pas jeûné pendant la Elle vont rattraper et elle note combien de jours elle n'a pas jeûné. Et ce rattrapage-là des jours de jeûne qu'elles ont manqué, il n'est pas obligatoire dans l'immédiat. C'est pas juste après le jour de la parce que le jour de la les deux jours de l'arid n'apparaissent pas de jeûner, Et également les trois jours de qui suivent Rid Al-Adha sont interdits de jeûner. Il y a cinq jours en islam qui sont interdits de jeûner Rid al fitr Rid Al-Adha, euh, les trois jours de qui suivent le jour de, de Rid Al-Adha. D'accord Ça, c'est interdit de, de les jeûner. Parce que le prophète, dans le hadith, il a dit que euh, le, Yom Al-Arid, dit c'est Ayam uh, Aklin C'est-à-dire que ce sont des jours où on mange et on boit. Donc il a interdit de jeûner. Donc c'est pas un devoir que la femme, juste après le jour de la ride, elle rattrape directement les jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné. Parce que les monstrues, c'est une excuse. C'est bon Les monstrues, c'est une excuse. Elle a jusqu'à le ramadan suivant, l'année suivante, pour rattraper ses jours. Et si le ramadan suivant est arrivé et qu'elle n'avait toujours pas rattrapé les jours de jeûne qu'elle a manqué à cause des monstrues et des lochis, du ramadan de l'année dernière dans ce cas là elle tombe dans le péché et elle devra donner pour chaque... en plus du rattrapage de chaque jour qu'elle a manqué elle devra donner un plein de deux mains jointes d'un la de des bases du pays, du blé par exemple un moud ce qu'on appelle ce qu'on appelle en arabe la fidia parce que normalement celui qui est malade, on a vu dans le cours dernier je crois celui qui est malade et qui on espère pas la guérison quand il peut pas jeûner, tous les jours il donne la fidia c'est à dire qu'avant le coucher du soleil il trouve un pauvre musulman et le lui donne euh, euh, la, dans l'école de Chafiri le plein de deux mains jointes de, de blé, par exemple, de la tour de, de, de base du pays. Dans certaines écoles, ils donnent de quoi la personne allait pour manger, quoi. De quoi manger pour midi et le soir. Bon, bah, un sandwich, par exemple, quelque chose comme ça. Ça, c'est permis chez les. Certaines écoles, comme chez les Khanafites. Dans l'école de Chafiri c'est un plein de deux mains jointes. Un mood. Bah, la femme qui n'a pas rattrapé à temps son mois de ramandant jusqu'à que Ramadan le suivant, il est rentré. Bah, dans ce cas-là, en plus du rattrapage, elle devra donner pour chaque jour un mout, la fidia. Et si elle attend deux ans, elle devra deux fidia pour chaque jour. Si c'est trois ans, trois fidia. Et les fidia, elles se multiplient avec la multiplication des années dans lesquelles elle retardent le rattrapage du jeûne. Chez les hanafites, la femme, elle ne tombe pas dans le péché avoir retardé son rattrapage jusqu'après le ramadan le suivant. Et elle n'a pas non plus de fidia à verser. Mais si la femme veut sortir de la, la divergence et prendre de la précaution, elle fait en sorte de rattraper avant que le ramadan le suivant arrive parce qu'après aussi les jours de jeûne ils s'accumulent et ça peut être encore plus difficile pour elle de rattraper. Et ça, on parle d'une femme, bien sûr, elle a une excuse, parce qu'elle avait les monstrues elle aussi. En revanche, si un homme ou une femme, il annule son jeûne ou il jeûne pas sans excuse, juste par paresse, il si veut pas jeûner par exemple, eh ben lui, il va pas attendre avant le remboursement suivant pour les rattraper, il doit rattraper obligatoirement juste après le jour de la ride, dans l'immédiat. Dans l'immédiat ici, pour le jeûne de Ramadan, ça va pas être le jour de rive juste après le premier de, de Shawwal. Parce que là, c'est haram de jeûner le jour de ride, Mais ça va être le deuxième de Shawwal, il commence à rattraper son jeûne. Ça c'est pour ceux qui ont annulé leur jeûne sans excuse. c'est pas quelqu'un, par exemple, il a oublié qu'il est en train de jeûner, il a mangé, il a oublié, là ça annule pas le jeûne. Ou quelqu'un, euh, il savait pas que telle ou telle chose, était interdit de le faire pendant Ramadan. Par exemple, il savait pas que fumer, c'est interdit pendant Ramadan. Ben là, son jeûne ne l'est pas annulé même s'il a fumé, d'accord Mais là c'est quelqu'un qui est ignorant du jugement que c'est interdit durant ramadan, durant ramadan, Pas le jugement de quelqu'un qui sait pas que c'est annule. Si quelqu'un il sait que c'est interdit de faire ça pendant le ramadan, mais il sait pas que c'est annule, son jeûne est quand même annulé s'il le fait. Celui qui est excusé pas pour le péché, dans tous les cas c'est haram de faire quelque chose qui est interdit pendant le ramadan. Mais si quelqu'un ne savait pas que cette chose là annulative, elle était interdite pendant le ramadan et il l'a fait. Il tombe dans le péché d'avoir fait un interdit pendant le jeûne, mais son jeûne reste valable. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il savait pas que si l'eau, elle rentre dans l'oreille, par exemple, à l'intérieur de la tête, que ça, ça annule le jeûne. Selon un avis, ça annule le jeûne. Lui, il, 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 lui, il pensait que c'était permis. Donc, il a pris une douche pendant la mandande et l'eau, elle est rentrée dans ses oreilles. Il savait pas que ça annulait le jeûne. Il savait pas que c'était interdit pendant de, de mettre de l'eau dans son oreille pendant la mandande, selon un avis. Ben son jeûne n'est pas annulé, mais il tombe dans le péché d'avoir fait un interdit. S'il a pris l'avis que c'est interdit de. Que ça annule le jeûne, de, de mettre le nom de l'oreille. Quelqu'un, par exemple, ne savait pas que euh, mettre un suppositoire pendant la mandane, ça annule le jeûne. Et bien lui, s'il si ne savait pas que ça annule le jeûne, ça l'excuse pas pour que le jeûne soit annulé. Mais si lui ne savait pas que c'est haram de faire ça pendant la mandane, parce qu'il fait rentrer une, une substance dans son corps par une voie ouverte, qui est un volume. S'il savait pas que c'est interdit, son jeûne il reste valable mais il tombe dans le péché de refaire un annulatif. Donc ça c'est pour tous les annulatifs du jeûne de ramadan. Que ce soit le rapport sexuel, quand ne bon, savait pas que c'est interdit de faire le rapport sexuel durant la journée, pas durant la nuit mais durant la journée dans la ramadan. Au début c'était interdit durant la nuit et la journée. Après Dieu il a allégé le jugement à l'époque du prophète dans les salam, et il a révélé dans le coran que maintenant on a le droit durant la nuit de faire le rapport avec notre épouse. Et quelqu'un ne savait pas que durant la journée c'est haram. Il pensait que le jeûne c'est que de pas manger et pas boire. Ben, si quelqu'un ne savait pas que c'est interdit de faire le rapport sexuel avec son épouse durant la journée de Ramadan, son jeûne il n'est pas annulé mais il tombe dans le haram. D'accord C'est pas la fornication qu'il a fait malgré ça, il a fait un interdit qu'il faut pas faire pendant la journée de Ramadan. Ou quelqu'un ne savait pas que fumer une cigarette durant la journée, pendant le Ramadan, ça annule le jeûne. On a dit s'il si ne pas que c'est annule, euh, ça c'est pas une excuse. Mais lui, il savait pas que c'était haram. Euh, pendant le Ramadan, son jeûne également, il est pas annulé, mais il tombe quand même dans le péché. Donc ça, c'est pour tous les actes de Ramadan qu'on va voir plus tard une de Ça n'annule que si la personne, elle savait que c'était interdit de faire ça pendant le Ramadan, elle se rappelait qu'elle était en train de jeûner et elle a fait ça volontairement. C'est ces trois conditions-là le fait de savoir que c'est interdit, le fait de se rappeler qu'on est en train de jeûner Ramadan, et troisième condition, le fait d'avoir fait volontairement. Dans ces trois cas de figure, ça annule. Mais si quelqu'un, par exemple, il a avalé quelque chose involontairement, ça n'annule pas à la base. Parce qu'il n'a pas fait volontairement. Si quelqu'un, par exemple, il a mangé, mais parce qu'il a oublié que c'était un Ramadan, ça n'annule pas non plus. Et si quelqu'un, par exemple, il a fait... Bon, en général, manger et boire, c'est connu, chez d'évidence chez les musulmans, mais euh, quelqu'un, il va pas ignorer que manger et boire, c'est interdit pendant la Et Par exemple, il n'a pas entendu que par exemple, manger une cigarette ou prendre un médicament, ou par exemple le, le, le médicament pour l'asthme, le, le ventoline. Il savait pas ne savait pas que c'est interdit d'utiliser ça durant la journée de Rwandan. Et donc il l'a fait, son jeûne n'est pas annulé. C'est bon Alors pour les asthmatiques, maintenant ils font de la ventoline qui dure presque 24 heures. Après c'est quelqu'un, lui, il est obligé de prendre sa ventoline toutes les, toutes les heures, par exemple, ou toutes les 3 heures. Ben dans ce cas-là, il ne jeûne pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de jeûner. Ça ne veut pas dire que dans ce cas-là il va se nuire, il va exprès pas prendre son médicament pour pas annuler son jeûne durant la journée. Si quelqu'un est diabétique ou est asthmatique et ne peut pas supporter le jeûne, ben dans ce cas-là, il y a une excuse. Si on espère qu'il guérisse, ben dans ce cas-là, il attend d'aller mieux pour attraper ses jours. S'il n'y a pas d'espoir qui guérisse de manière habituelle, ben dans ce cas-là, il remplace ses jours de jeûne. Tous les jours, pendant le mandat, il donne une fidia à un pauvre. Il ne donne pas 30 fidias d'un coup. Tous les jours, au jour le jour, comme ça, il donne la fidia au pauvre. Après le lendemain, il donne aux pauvres avant le marrem. Sinon, c'est haram, mais il est dans l'école de chafiri à la base. Après, il y a plusieurs avis chez les savants, mais ça, c'est la vie à la base qui enseignait. Dire qu'il doit se débrouiller pour donner la fédia avant le coucher du soleil pour chaque jour, à chaque fois. Chaque jour, il va voir le pauvre, donner la fédia. Dans certaines écoles, comme on a dit, pendant l'école d'Abou Hanifa, peut même donner euh, il vit. Et de l'argent s'il en a envie. on le donner un mot, il donne par exemple 5 euros tous les jours. Il donne 5 euros à un pauvre, un pauvre musulman, bien sûr. Et ça, ça, si quelqu'un, il est pas capable de jeûner parce qu'il est trop âgé. Ou la maladie qu'on n'espère pas la guérison, et eh ben ça, ça remplace son jour de jeûne. Du coup, il aura pas rattrapé rattraper parce que, à la base, il n'est pas censé guérir de sa maladie. C'est bon. Donc, également la femme qui a les menstrues, elle, comme on a dit, eh ben si elle a manqué le jours de jeûne à, à cause de ses monstrueux, elle a une excuse. Donc, comme elle a une excuse, c'est pas un devoir qu'elle rattrape immédiatement. Celui, la règle c'est ça. Si quelqu'un y rompt son jeûne sans excuse, il doit rattraper immédiatement. C'est à dire quoi immédiatement? après le jour de la rite, d'accord Le 2 de Shawwal. S'il a une excuse, dans ce cas-là, il a jusqu'à Ramadan suivant pour rattraper les jours de jeûne qu'il n'a pas jeûné. Donc là, on parle de ceux qui n'ont pas le droit de jeûner. Donc la femme qui a les menstrues, la femme qui a Elushi, et également la personne à qui ça nuit de jeûner, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, on va parler de pour qui la personne elle a le droit, c'est qui la personne qui a le droit de rompre son jeûne. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas haram qu'elle jeûne. Elle a le droit de jeûner, mais elle a le droit aussi de pas jeûner, c'est l'envie. C'est bon? Et ben, ça, c'est permis, premier cas de figure, pour le voyageur qui voyage, un voyage lui permettant de raccourcir les prières. Donc, c'est 16 falsars, 16 farsanges en, en, en français. Donc, les savants, ils ont estimé, il y a plusieurs avis. Selon un avis, c'est 134 km. Environ, selon un avis, c'est 80 km environ. Et selon un avis, c'est environ 45 km. D'accord Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un voyage qui est long, qui permet de raccourcir des prières. Ce voyage-là, c'est la personne elle le fait de manière licite. C'est pas, euh, par exemple, euh, quelqu'un il voyage pour aller euh, euh, frapper un musulman hein, justement, ou il voyage pour faire la fornication, ou il voyage pour faire euh, quelque chose qui est interdit. Si le but de son voyage il est interdit, ou une femme qui voyage sans le voile, ou qui voyage sans, sans mahram, etc. Ça, si le voyage est, il est interdit, il n'a pas le droit de profiter des autorisations du voyageur, ce qu'on appelle l'oursa l'oursa c'est une autorisation qui permet de faire au voyageur le raccourcissement des prières, dans ce cas de figure ici, de rassembler les prières, qui se rassemblent entre elles, comme le vent avec le rassor, avec le risha. Et également, il a le droit de pas jeûner pendant la mandane. Et, euh, si ça présente une difficulté dans son voyage de jeûner, parce que dans le passé, voyager à pied, etc. Le mieux, c'est qu'il ne jeûne pas. Comme il a dit le Prophète en hein, sur la Toi Salam Lesaminalbirri assiyamufis safar. Lesaminalbirri assiyamufis safar. C'est-à-dire que ce n'est pas bien de jeûner durant le voyage. Et les savants, ils ont interprété ce hadith, savant chaférites, par le fait que c'est dans le cas où ça représente une difficulté pour lui de jeûner alors qu'il est en train de voyager. Dans ce cas-là, le mieux, c'est qu'il ne jeûne pas. Mais si ça ne présente pas pour lui de difficulté de jeûner, dans ce cas le mieux, c'est qu'il jeûne. Comme aujourd'hui, tu voyages en avion, etc. Comme ça, parce que même si tu rattrapes ton jeûne avec une excuse après Ramadan, tu n'auras pas la même baraka que durant Ramadan. Donc ça, le mieux, c'est qu'il jeûne pendant Ramadan s il est capable. C'est trop difficile, même si ce pas difficile, hein. même si c'est un voyage très confortable, il a le droit de ne pas jeûner. À condition que son voyage y fasse à cette distance-là, qui est une distance qu'on appelle krasar, une distance qui permet de raccourcir les prières. Environ 100 km, 80 km, et 134 km, ou 80 km ou environ 45 km c'est bon les savants ils ont divergé en fonction de du mille il y en a combien ça vaut un falsar et combien ça vaut le mille etc après ça donne plusieurs selon Shaferi et Maneku ça donne plusieurs avis il y a trois avis en général et donc ça on le verra tout à l'heure une d'abord le dans l'école de Shaferi il y a trois avis pour quantifier le mille mille c'est une unité de mesure en arabe et donc, il y en a, ils ont dit c'est 2000 coudées, il y en a, ils ont dit c'est 3500 coudées, il y en a, ils ont dit c'est 6000 coudées. Et en fonction de chaque avis, ça donne un kilométrage différent. Mais en gros, c'est arrondi au kilométrage. Ça donne environ 134 km, 80 km et 45 km. Je te dire la vie que tu veux, Annie. Après, bon, le plus précautionneux, c'est de prendre 80 ou 134. Après, il y a des conditions, bien sûr, faut qu'il voyage avant l'aube. D'accord Avant que le jour de jeûne commence. Donc, si quelqu'un fait un voyage de 10 km ou 20 km, il a le droit de rompre son jeûne.